Bonjour très chers auditeurs et auditrices de la radio Sainte-Marie. Je suis Julienne et je vous accompagne chaque jour avec la méditation quotidienne, un moment avec Jésus chaque jour de l'année. Aujourd'hui, 16 mars, le Seigneur Jésus-Christ nous dit « Il est bon pour toi de reconnaître ta faiblesse, car cela te pousse à regarder à moi, ta force. » La vie abondante n'est pas forcément synonyme de santé ou de richesse. Il s'agit plutôt de vivre dans une constante dépendance vis-à-vis de moi. Au lieu d'essayer de faire entrer cette journée dans un moule préconçu, détends-toi et observe ce que je suis en train de faire. Cette attitude te libérera, te permettant de jouir de ma présence et de comprendre ce que j'ai prévu pour toi. Cela vaut bien mieux qu'essayer de suivre tes propres plans. Ne te prends pas trop au sérieux. Détends-toi et ris avec moi. Je vis à l'intérieur de toi. De quoi t'inquiètes-tu donc? Je t'équipe pour que tu puisses accomplir absolument tout ce qui se présente à toi dans le cadre de ma volonté. Plus ta journée est difficile, plus je désire t'aider. L'anxiété t'enferme sur toi-même, dans tes propres pensées. Lorsque tu regardes à moi et murmures mon nom, tu te libères de ce piège et peux recevoir mon aide. Fixe ton attention sur moi et tu trouveras la paix dans ma présence. Aujourd'hui, les textes proposés à notre méditation sont tirés de l'épître de Saint Paul, apôtre aux Philippiens, chapitre 4, verset 13, et du livre des Proverbes, chapitre 17, verset 22. Je vous souhaite de passer une agréable journée et vous donne rendez-vous demain sur les ondes de la radio Sainte-Marie, la radio de l'espérance chrétienne.